Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. Cette semaine, on aborde une nouvelle thématique, ne provoque pas la jalousie du Seigneur. Et pour ce lundi, mon sous-thème est n'ignore pas la valeur des choses. Alors, pendant 5 jours, on va essayer de définir ce qu'est la jalousie de Dieu. J'aimerais commencer par un texte pour nous expliquer ça. Dans Jacques, au chapitre 4, le verset 5, il est dit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Dieu nous a donné son Esprit et on voit que le Saint-Esprit compte beaucoup pour lui, comme si en fin de compte l'Esprit de Dieu lui-même était la chose qui avait le plus de valeur dans son cœur. La Bible va nous dire que la façon dont il va le chérir, c'est avec jalousie. Le mot jalousie, en fait, en grec, veut dire porter envie ou encore avoir envie de ce que vous avez. Ce qui veut dire que l'Esprit de Dieu qui lui appartient lui-même, pourtant, lorsqu'il le met à notre disposition, lorsqu'il nous le donne, le regard qu'il va porter sur lui va être un regard jaloux, à tel point qu'il va nous envier parce que nous l'avons. Ce qui veut dire en fait qu'il est en accord avec nous, il est d'accord de nous l'offrir, mais il va vraiment prendre soin, il va porter des regards très importants sur la façon dont nous allons prendre soin, dont nous allons nous occuper du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire que l'Esprit de Dieu n'est pas la seule chose qu'il nous a donnée, car quand le Saint-Esprit vient, il vient aussi avec la mise à disposition de tout ce que le cœur de Dieu contient, les richesses bien évidemment de Dieu, les richesses du royaume des cieux. Et donc nous ne pouvons pas seulement prendre soin du Saint-Esprit, mais nous devons prendre soin aussi de tout ce qui l'accompagne. C'est pourquoi j'ai dit que ce sous-thème, c'est « N'ignore pas la valeur des choses ». Car en fait, le Saint-Esprit a une valeur, mais aussi tout ce que Dieu a déjà réalisé, quand nous parcourons la Bible, a énormément de valeur. Donc, nous ne pouvons pas dérespecter, ne pas honorer en tout cas, tout ce que Dieu nous a donné. Donc, si nous ne voulons pas exciter la jalousie de Dieu envers ce qu'il nous a donné, nous devons avoir un regard vraiment d'honneur sur tout ce qu'il nous a offert. J'aimerais vous dire que nous devons trouver le caractère de Dieu, le cœur de Dieu déjà dans l'Ancien Testament. Nous voyons qu'il y a un texte qui dit que Dieu avait dit à Moïse que tous ceux qu'il avait tenté déjà 10 fois et qui n'avaient pas écouté sa voix allaient périr dans le désert. Le cœur de Dieu n'a pas changé. Ce qui fait la différence dans la Nouvelle Alliance, c'est que Christ est venu, qu'il est notre intercesseur et qu'il a emmené la grâce pour que nous ne puissions pas mourir sous le jugement de Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour que nous soyons sauvés, pas pour que nous soyons détruits. Mais pourtant, le caractère de Dieu, le cœur de Dieu n'a pas changé. Et nous voyons dans l'Ancien Testament qu'ils avaient déshonoré, ils n'avaient pas pris toute la valeur de ce que Dieu leur avait donné. C'est pourquoi il est écrit d'ailleurs dans 1 Corinthiens 10, les versets 1 à 5, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. » On va voir là que le peuple de Dieu n'a pas à ignorer la valeur des choses. Ils n'ont pas pris conscience réellement de tout ce que Dieu avait fait. Et alors que Christ n'était pas là, la Bible dit qu'en fin de compte, leur rocher était Christ. Ils n'ont pas vu Christ comme les disciples l'ont vu, mais ils ont pourtant été accompagnés par ce que Christ avait déposé. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils ont eu un aliment spirituel, ils ont eu un breuvage spirituel. Ils pouvaient ne jamais avoir soif, car Dieu mettait sur le plan surnaturel à leur disposition des choses incroyables. C'est pourquoi des cailles sont tombées du ciel. C'est pourquoi quand Moïse a frappé le rocher, de l'eau est sortie. Dieu donc les accompagnait et pourtant, ils n'ont pas valorisé ces choses. Ils ont ignoré ces choses et la Bible nous enseigne qu'ils n'ont pas été agréables. Nous devons définir que veut dire aussi le mot agréable. Et là encore, agréable en hébreu veut dire yodokeo. Ça veut dire affection, prendre plaisir, trouver bon, bien vouloir, plaire, aimer, décider, agréer. Ce qui veut dire qu'en fait, ils n'ont pas affectionné Dieu. Ils n'ont pas pris plaisir en Dieu. Ils n'ont pas trouvé Dieu bon. Ils n'ont pas bien voulu le suivre. Ils n'ont pas voulu lui plaire. Ils ne l'ont pas aimé. Ils n'ont pas décidé de le suivre. Ils n'ont pas agréé Dieu. Donc, ils n'ont pas pu être agréables parce qu'ils n'ont pas compris que tout ce que Dieu leur avait donné, il fallait le chérir. Alors nous devons comprendre que le Saint-Esprit qui est venu maintenant dans la Nouvelle Alliance est le lien entre nous et Dieu et qu'il y a une façon de l'honorer, une façon de vivre avec lui
pour ne pas exciter la jalousie de Dieu. Car je voudrais dire qu'il vaut mieux être en affaire avec le diable qu'avec Dieu. Car mes amis, quand nous excitons la jalousie de Dieu, il se peut que nous prophétisions, que nous parlions en langue, il se peut que nous fassions plein de choses pour Dieu sans savoir même que nous sommes en train d'exciter sa jalousie. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas soin des choses de Dieu, nous ne lui sommes pas agréables. C'est pourquoi ce qui compte le plus avant de manifester des dons, avant finalement de parler de la part de Dieu, c'est d'abord d'être sûr que nous le sommes agréables. Et le seul moyen de le faire, c'est d'honorer ce qu'il nous a donné. C'est pourquoi notre vie de tous les jours compte, la façon dont nous cultivons notre vie de l'esprit, la façon dont nous ne l'attristons pas, la façon dont nous prenons soin de tout ce que Dieu nous a donné est plus importante que toute chose. Alors vraiment, soyons fermes dans ces choses. Comprenons qu'avant nous avons eu un exemple justement de déshonneur, de personnes désagréables qui pourtant étaient appelées à entrer à Canaan. Mais la Bible nous enseigne que seulement Caleb et Josué sont entrés. Et nous verrons ça d'ailleurs au cours des autres émissions, que Caleb lui-même a été animé de notre esprit. J'expliquerai en quoi l'animation de l'esprit est importante. Nous pouvons avoir le Saint-Esprit, mais pourtant parfois être animé de notre esprit, exciter la jalousie de Dieu et ne pas lui être agréable. Alors vraiment, en tout cas, je vous encourage déjà dès cette première émission à faire le point sur ces choses et à chercher à être agréable au Seigneur. Voilà. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis déjà à demain mardi pour la suite et nous irons plus loin avec le Saint-Esprit. Très bonne semaine à vous et à très vite.